Chers élèves, bonjour. Bienvenue à l'école à domicile. Je suis Monsieur Odilon Simplice Mansoulou, professeur de SVT en troisième. Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon qui porte sur l'œil et la vision. À la fin de cette leçon, chacun doit être capable de décrire l'œil. On révise. Définis la poliomyélite. Consigne. Connaître les malformations du corps humain. Réponse à la question. La poliomyélite est une maladie infectieuse aiguë et contagieuse qui attaque la corne antérieure de la moelle épinière. Observation, nous avons le schéma de l'œil qui nous présente les différentes membranes de l'œil, notamment la sclérotique, la choroïde, la rétine et les milieux transparents. Vous avez la cornée transparente, l'humeur aqueuse, le cristallin et l'humeur vitrée. Je m'exerce. Exercice 1. Un élève assis au fond d'une salle de classe a du mal à bien lire le résumé de la leçon portée au tableau par son professeur de SVT. Il est obligé de se rapprocher à moins de 3 mètres du tableau pour une meilleure lecture. En t'appuyant sur tes connaissances acquises, nomme cette anomalie de l'œil, précise le moyen pour sa correction, cite les moyens d'hygiène de l'œil. Consigne, connaître les maladies et les anomalies de l'œil. Réponse aux questions. 1. C'est la myopie. 2. La correction de la myopie se fait par le port des verres divergents ou concaves. 3. Les moyens d'hygiène. Pour assurer une bonne hygiène de l'œil, il faut éviter de frotter vigoureusement l'œil ou de le toucher avec des mains sales. Évitez d'enlever les organes de défense, les cils et les sourcils. Évitez de lire sous une lumière trop vive ou trop faible. Consommez les aliments riches en vitamine A et consultez un médecin en cas de maladie de l'œil. Je retiens. L'œil est un organe du corps qui permet de voir la couleur et la forme des objets. L'œil est formé du globe oculaire et des organes annexes. Le globe oculaire, il comprend deux parties. Nous avons les membranes et les milieux transparents. D'abord, les membranes. Les membranes de la paroi du globe oculaire sont la sclérotique, encore appelée blanc de l'œil. C'est la membrane protectrice. En avant de l'œil, elle forme la cornée transparente. En deuxième position, nous avons la choroïde. C'est une membrane de couleur noire qui joue le rôle nourricier. Et en avant de l'œil, la choroïde présente deux extrémités qui portent un orifice appelé pupille. La troisième membrane, c'est la rétine. C'est la membrane sensible de l'œil.
Elle porte des points particuliers. Le point aveugle, d'où part le nerf optique, et la tache jaune ou fovéa. La rétine forme une plaque sensible sur laquelle se forment les images qui sont nettes et renversées. Les milieux transparents. Les milieux transparents de l'œil sont la cornée transparente, l'humeur aqueuse, l'humeur vitrée et le cristallin qui jouent le rôle de l'accommodation, c'est-à-dire la mise au point des images sur la rétine. Les organes annexes. Ce sont des organes qu'on trouve tout autour de l'œil. Les organes annexes de l'œil sont les sourcils, les cils, les paupières, les muscles oculaires qui permettent d'orienter l'œil dans tous les sens. Et nous avons les glandes lacrymales qui sécrètent les larmes. Les sourcils dévient la sueur provenant du front. Les cils protègent l'œil contre la pénétration des corps étrangers. Les paupières couvrent l'œil et lui permettent de s'ouvrir ou de se fermer. Les sourcils, les cils et les paupières jouent le rôle de protection. Les muscles oculaires soutiennent et orientent l'œil dans toutes les directions par leur contraction. Les glandes lacrymales, je le dis, sécrètent les larmes qui lubrifient et nettoient l'œil. Notez bien, vers l'avant, l'œil est abrité par deux paupières garnies de cils et recouvert par une membrane fine et transparente appelée conjonctive. Les anomalies de l'œil. L'anomalie de l'œil est le défaut de fonctionnement de l'œil. On distingue plusieurs anomalies de l'œil, la myopie, l'hypermétropie, le daltonisme, la presbytie, le strabisme, l'astigmatisme. La myopie, c'est la mauvaise distinction des objets éloignés. Chez le myope, les images se forment en avant de la rétine. La correction de la myopie se fait par le port de verres divergents ou concaves. L'hypermétropie, c'est la mauvaise distinction des objets rapprochés. Chez l'hypermétrope, les images se forment en arrière de la rétine. La correction de l'hypermétropie se fait avec le port de verres convergents ou convexes. Le daltonisme, c'est la mauvaise distinction des couleurs. Un daltonien confond le rouge au vert. La presbytie, c'est la mauvaise distinction des objets rapprochés. Cette anomalie se manifeste chez les personnes âgées, à partir de 45 ans et plus. La correction de la presbytie se fait par le port de verres convergents. Par verre, on entend des lunettes de type loupe ou verre à double foyer. Le strabisme, c'est le défaut de parallélisme des axes optiques avec déviation de l'un des deux yeux. La correction du strabisme se fait par le port de verres correcteurs qui renforcent l'accommodation de l'œil. L'astigmatisme est l'anomalie qui se caractérise par la distinction floue des objets. Il est dû à une courbure irrégulière de la cornée transparente. La correction de l'astigmatisme se fait par le port des lentilles cylindriques. Nous avons des images qui nous présente la façon dont se corrige la myopie. Premièrement, la myopie,
vous allez constater la première image. La convergence des images ne se fait pas sur la rétine. Donc, les images se forment en avant de la rétine. Et dans l'autre colonne où on a écrit correction, et quand on porte les verres divergents, alors les images sont envoyées sur la rétine où ils se convergent et la vue des images devient nette. Au deuxième niveau, nous avons un œil hypermétrope. L'œil hypermétrope, en observant les images, la convergence se fait derrière la rétine. Et dans la correction, quand l'hypermétrope porte les verres convergents, les images sont ramenées et la convergence des images se fait nettement sur la rétine. Les maladies de l'œil. Les maladies de l'œil sont la conjonctivite, la cécité, la kératite, l'héméraropie, la cataracte, la xérophthalmie. La conjonctivite, c'est l'inflammation de l'œil, de la conjonctive, par exemple. La cécité, c'est la perte totale de la vue. La kératite, c'est l'inflammation de la cornée transparente. L'héméralopie, c'est la diminution de la vision lorsque la lumière est faible. La cataracte, c'est l'opacité du cristallin ou de ses membranes entraînant une cécité partielle ou totale. La xérophthalmie, c'est l'opacité de la cornée transparente due à une carence en vitamine A. L'hygiène de l'œil. Pour une bonne hygiène de l'œil, il faut, premièrement, éviter de frotter rigoureusement l'œil ou de le toucher avec des mains sales. Éviter d'enlever les organes de défense, les sourcils, les cils. Éviter de lire sous une lumière trop vive ou trop faible. Consommer les aliments riches en vitamine A et consulter un médecin en cas de maladie des yeux. Chers élèves, notre leçon qui portait sur l'œil et la vision aujourd'hui est terminée. Au revoir, à bientôt.